Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, il y a du diamond painting, mais aujourd'hui je veux vous présenter un cadeau que j'ai reçu de la boutique L'Éternel. Voilà. Alors, ils m'ont envoyé un nouvel article qu'ils ont dans leur boutique. Donc, ils m'ont envoyé ça pour la nouvelle année. Donc, je les remercie beaucoup de ce petit cadeau. Et en même temps, du coup, je vais vous présenter ce nouvel article qu'ils ont dans la boutique que j'ai reçu. Alors, je leur ai envoyé les photos et ben, je les avais mis sur mon Facebook en même temps. Heureusement, je les ai reçus en bon état parce que j'ai reçu l'enveloppe dans un sachet de la poste parce que l'enveloppe avait été entièrement ouverte. Alors, je ne sais pas si c'est un voisin qui avait reçu l'enveloppe et qui l'a ouvert par erreur et du coup l'a remis au facteur. Et du coup, la poste me l'a remis dans une pochette pour me le redonner. Bon, si c'est un voisin, il aurait plus vite fait de frapper à ma porte et me dire « Excusez-moi, je l'ai ouvert par erreur. » Ou est-ce que c'est la poste qui a ouvert l'enveloppe parce que là, bon, vu comment elle était ouverte, elle ne s'est pas déchirée dans la machine. C'est pas possible. Mais bon, le cadeau qui était dedans n'a pas été abîmé, ni rien. Donc bon, c'était le principal. Vous voyez, il y a toujours un petit souci des fois avec la poste, les colis. Ça faisait un moment hein, que je n'avais pas eu de souci. Mais voilà, bon, ça c'était le petit bémol de ce colis. Enfin, c'est pas un colis, c'était une enveloppe. Voilà, donc ils m'ont envoyé ce nouvel article et du coup je vais vous le présenter. Et quand je l'ai reçu, ben, j'ai trouvé ça tout mignon. Alors, ce sont des stylets. Donc, ils sont vendus en lot de 4. Voilà, donc vous les recevez, si vous les commandez, vous en avez 4. Et donc, vous les recevez dans une petite pochette comme ceci. Donc, bon, moi là, je l'ai ouverte, hein, donc voilà. Vous les recevez dans une petite pochette comme ceci. Et donc, vous avez 4 stylets. Et voilà comment ils sont. Tout poilus. Donc, je vais vous les présenter. Hop, là, c'est un petit peu aplati par l'enveloppe. Alors, je vais bien les remettre. Mais ça, c'est rien, c'est normal. Hop. On leur met un petit coup de peigne avec la main. Et voilà, ils sont redevenus tout beaux. Donc, voilà les stylets. Il y a des petits plumeaux. Et ils sont très jolis. En plus, à l'intérieur, il y a des mini perles. Mais alors, toutes petites. Alors, j'espère que vous allez réussir à les voir. Alors, je vais... Hop, hop, hop. Voilà. J'espère que ça ne floute pas. Mais bon, de toute façon, je vais vous mettre les photos. Hein. Voilà, donc c'est un stylet pour une perle, hein, bien sûr. Donc voilà, ça c'est le violet. Ah, bah alors je n'arrive plus à trouver le milieu de mon écran. Voilà. Donc j'aime bien parce que c'est tout doux, c'est tout mignon. J'aime beaucoup. On a le rose. Voilà. On a le vert. Bah alors, je trouve plus le milieu de mon écran aujourd'hui. Et on a le bleu. Voilà. Oh, c'est pas vrai ça aujourd'hui. J'ai pas les yeux devant les trous, c'est pas possible. Voilà. Donc, alors, je vais remettre le petit bouchon au bout pour pas le perdre. Donc, vous avez ces 4
petit stylet plumeau, tout mignon, tout doux. Alors, je les adore, ils sont vraiment très très beaux. Voyez. Donc, je vais vous remettre le lien en barre d'infos pour les retrouver, bien sûr. Et moi, comme j'en ai reçu 4, je pense qu'il y aura une surprise au prochain concours. Voilà. J'en dis pas plus. Hein, vous avez. Donc, bon, moi, je vais m'en garder un, hein, bien sûr. Et comme ça, je vais l'essayer. Bon, de toute façon, ils vont aller bien. Alors, ils sont légers, hein. Ça va, ils ne sont pas lourds ni rien. Et à l'intérieur, comme je vous dis, alors, ils brillent vraiment beaucoup. Et les toutes petites perles à l'intérieur. Alors, je vais encore essayer de vous le montrer en espérant que ça ne floute pas. Mais je ne sais pas pourquoi ça veut flouter. Ça ne veut pas faire le... Alors, j'essaye de trouver une feuille ou quelque chose qui... Alors, on va essayer de vous montrer avec ça. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Vous voyez, ça brille. Non, je les trouve vraiment très, très jolis. Donc, je remercie encore la boutique L'Éternel, donc Mode, avec qui je suis toujours en relation pour le partenariat. Et donc, j'étais vraiment très heureuse quand elle m'a dit qu'il y avait une petite enveloppe qui arrivait pour le nouvel an pour moi. Et encore plus heureuse quand j'ai vu que je recevais ces petits stylets. Voilà. Donc, ils sont vraiment très beaux et très originaux. Donc, voilà. Donc, je vais vous mettre le lien pour les retrouver dans la boutique. Et donc, je vous dis, si jamais vous les commandez, vous les recevez donc par 4. Donc, vous aurez les 4 couleurs, le violet, le rose, le vert et le bleu. Voilà. Donc, voilà. Cette vidéo est vraiment toute petite, mais je voulais absolument vous les présenter. Et pour que vous puissiez ben, les découvrir et en même temps vous annoncer qu'il y aura donc une petite surprise avec ces petits stylets plumeaux pour le prochain concours. Voilà. Je suis d'ailleurs en train de le préparer. Je ne connais pas encore la date du prochain concours. Je vais voir quand est-ce que je vous le fais. Là, on est quoi, le 16-17 janvier. Donc, je vais voir à peu près quand est-ce que je vais le préparer. Là, bon, je ne sais pas. je vous préviens de la date du prochain concours. Vous inquiétez pas. Allez, je vais vous faire déjà des gros bisous. Et on se retrouve donc très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et je remercie encore beaucoup Mode de la boutique L'Éternel pour ses petits cadeaux. À bientôt, bisous bisous.